Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance, et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Moyo wenu mbote na binobanso, jambuyenu, moyanyu, et quoi encore? Mbote na binobampangia mono, bampangia Vincent, Symphorien Balandaï. Alors, il s'agit ce soir juste de l'arrestation de Peter Tiani, vous savez, le propriétaire de la chaîne de télévision Perfect TV. Il a été arrêté au 4e étage des galeries présidentielles, c'est-à-dire à son travail. Alors, nous avons ici une information de actualité.cd. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le présentateur de télévision et fondateur de la chaîne Télévision Perfect TV, Peter Tiani, a été appréhendé ce vendredi à Kinshasa. Des individus en civil se présentant comme des agents de la justice militaire, accompagnés d'hommes en uniforme militaire, l'ont interpellé au 4e étage de l'immeuble Galerie Présidentielle, siège de sa chaîne de télévision. L'arrestation s'est déroulée dans une atmosphère tendue. Les journalistes de Perfect TV ayant tenté de s'interposer entre leurs collègues et les agents. Eh bien, là-dessus, nous avons quelques images très courtes d'une vidéo. Regardez. Déclaration mauvaise. Ça va? Je veux répondre à une question. Les caméras ont filmé. Si malheur m'arrive, on sait là où ça va se passer. Je vais répondre. Je vous demande simplement d'être discipliné. Mon combat que je fais est connu. Si dans les moments comme celui-ci, on ne peut pas avoir suffisamment de courage, alors on ne doit pas faire ce combat. Ce sont des agents de l'ordre, ils sont des exécutants. On est bazar, on tout le monde va venir dans la boule et capuler au Tanganga. Bah tini, bah mon mission, bah y est au Zwanga. Pour brutaliser ma honte, pour tirer dans mon Kimia, je veux pas. Église de Jésus. Déclaration mauvaise. Ça va? Je veux répondre à une question. Les caméras ont filmé. Si malheur m'arrive, on sait là où ça va se passer. Je vais répondre. Je vous demande simplement d'être discipliné. Mon combat que je fais est connu. Si dans les moments comme celui-ci, on ne peut pas avoir suffisamment de courage, alors on ne doit pas faire ce combat. Ce sont des agents de l'ordre, ils sont des exécutants. On est bazar, tout le monde va venir dans la boule et te capuler au Tananga. Batini, ma mission, baye au Zwanga. Pour brutaliser ma honte, pour tirer dans mon Kimia, je veux pas. Église de Jésus.
Samuel Azad. Azad. Donc, selon plusieurs sources judiciaires, cette arrestation serait en lien avec l'affaire du meurtre de Chérubin Okendé. Porte-parole d'Ensemble pour la République, Peter Ciani est convoqué pour rendre compte des informations qu'il aurait partagées peu après la disparition de Chérubin Okendé. Avant d'être embarqué, Peter Ciani a confié à ses collaborateurs, comme vous avez entendu, « Si un malheur m'arrive, vous savez où ça se passera », faisant référence à l'avis de recherche qui est émis contre lui. Le véhicule ayant servi à transporter Peter Ciani a été identifié par ses collègues au parking de IP. Bon, je pense que c'est l'inspection de la police criminelle, hein, IP Crime. D'après des sources locales citées par Maître Hervé Diakessé, le journaliste serait actuellement détenu à l'inspection générale de la police, près du Palais du Peuple, à la disposition de la commission d'enquête chargée du dossier Chérubin Okendé. Peter Ciani avait été invité par le commissaire divisionnaire adjoint le 18 juillet dernier et avait été prié de se rendre au bureau de la police le jour même. Son avocat avait immédiatement informé le commissaire de son arrivée imminente. Cependant, à son arrivée sur les lieux, il a été informé de l'absence du commissaire jusqu'à environ 15h30. Les circonstances exactes de l'arrestation ainsi que les développements à venir restent à suivre. La situation continue d'évoluer et des informations supplémentaires seront partagées dès qu'elles seront disponibles. Voilà, chers compatriotes, nous nous dirigeons vers une thèse de l'association de malfaiteurs. Voilà, ils vont se partager la complicité dans cette affaire du meurtre de Chérubin Okendé. Donc, il s'agit d'une association de malfaiteurs avec un commanditaire à leur tête. Je pense que Peter Ciani a intérêt à collaborer avec la justice pour qu'il allège sa peine de complicité. Donc, s'il ne collabore pas ou s'il n'avoue pas, bon, il va dire au revoir à sa femme et à ses enfants. Il va passer quelques années en prison. Voilà. Mais s'il collabore, voilà. Peut-être qu'il sera, il ne sera pas acquitté, mais bon, il fera un an ou deux ou quelques mois en prison pour collaboration. Et il faut qu'il dénonce plusieurs secrets qu'il connaît. Il doit les connaître, absolument. Il est katumbiste. Il connaît tous les katumbis. Voilà, chers compatriotes, c'était tout simplement un flash informatif. Flash informatif. Que notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et nous disons Ingeta, la victoire est à nous. A Vitoria e Certa, comme disent les Angolais. Thank you.
Félix, c'est vrai, ma vous. Pourquoi t'as malheur?